Hey, salut les Apaches, ici c'est Shiva et on se retrouve pour un nouvel et peut-être ultime épisode de Donkey Kong Country Returns version 3DS. Alors peut-être dernier, bah rien n'est garanti, hein, mais on va essayer de terminer les temples qu'il nous reste à faire. Il y a donc le temple du dernier environnement. Et le temple d'or à la toute fin, hein, auquel on accédera en tout dernier lieu, donc direction le volcan. Et là, il va déjà falloir qu'on récupère les des petites lettres Kong à droite à gauche, ici notamment, ici, ici. Ah, ça nous en fait déjà un petit paquet, hein, l'air de rien. Vite fait, bien fait, on va acheter quelques vies. Entre donc! J'ai plein de cœurs, de potions magiques et plus de ballons qu'il n'en faut pour que tu puisses narguer Didi. Ah désolé, hein, il a une voix de lendemain de chouille, cranky, il est pas en forme, faut pas lui en vouloir. C'est comme Chichi, c'est un peu compliqué pour lui. Ah, je tourne dans des conditions assez particulières là, mais bon. Ça doit s'entendre à la voix du bousin. Pense à rassembler les lettres Kong, elles doivent bien servir à quelque chose. Non mais sans blague, je suis là pour ça, papy. Oh, c'est pas grave, je t'en veux pas. Hein. Alors. J'ai envie de dire, c'est parti. La fougueuse fusée. Ah bah, niveau en fusée. Encore. Bon bah écoutez, hein, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oh non, c'est le niveau d'un orfèvre. Oh bordel, pas Norfair les gars, pas Norfair, now. Allez, ça va le faire. Alors, comment faire suffisamment pencher la balance pour grimper là-haut? Non mais... Il est chiant ce tonneau, comment on fait pour y aller? Bon, c'est bête, hein, je meurs bêtement, mais... Il y a un tonneau qui veut pas trop collaborer avec moi. Et ça, les enfants, ça ne me plaît pas. Voilà, non mais oh, attendez. Et puis quoi encore? Tcha, 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 tcha. Non, et voilà, je déteste ce bonus, j'y arrive jamais. Les tonneaux sont bien trop rapides à mon goût. Oh, c'est pas grave, j'aurais essayé. Hein. Hop là, pas trop loin. Et c'est parti! Sauf que ce niveau, rappelez-vous, était super chaud. Ok, bah ça commence. Ah non, mais c'était un suicide de commencer par ça, les gars, quoi. Enfin, bon, l'avantage c'est que je vais pouvoir reprendre le bonus. Peut-être le valider dans le meilleur des mondes. Voilà. Fallait comprendre comment le prendre, hein, ce bonus là. À peine stressant. Et ben voilà. Je me suis stressé, j'aurais pas dû. Ah c'est bien, on passe déjà 5 minutes rien que sur le bonus du début d'épisode, c'est bien. Hop là, je m'en fous, de toute façon c'est mort subite. Une fois qu'on est dans le bousin. Et ben ouais, pourquoi se prendre des risques, essayer d'économiser de la vie là où il n'y en a pas besoin? Je vous le demande. Da-da-da-dum. Da-da-da-da-dum. Il est carrément chaud ce bonus, quoi, c'est... Aïe, aïe, aïe. Il est grave, grave, grave chaud. Allez, on retente. J'aimerais au moins valider ça. J'ellipserai à partir d'ici s'il le faut.
Oh, en plus, je l'avais eu. Je suis dégoûté. J'ai perdu un temps précieux. Et un petit peu d'énergie ce faisant. Hop là, hop là. Non mais voilà, bah voilà, il y a toujours une saleté pour me toucher. Bon allez, on s'applique. Ah mais vraiment, c'est trop petit. Les cry, les trop petits pour chichi. J'ai pas l'impression d'y voir grand chose. Bon, j'ai eu le cas, c'est déjà ça. Waouh. Ok, j'ai raté la pièce de puzzle à cause des boules de feu, mais faut pas que je rate de mettre, hein, c'est bien l'essentiel. Où est-il ce haut? Bordel, bon bah je suis mort. Bah, c'est pas plus mal comme ça, je vais réessayer de prendre la pièce de puzzle d'en bas, ce serait bien de la valider aussi tant qu'à faire. Oula, j'ai esquivé le bonus parce que maintenant faut que je l'esquive, faut plus que je fonce dedans, c'est l'inverse de tout à l'heure. Allez, j'aimerais bien choper la lettre K, la pièce de puzzle qu'on a vue. Et à partir de là, tranquillou. Petit checkpoint, on prend pas de risque et tout ira bien. Ouais, trop chaud. Trop chaud. J'arrive pas. Ah ouais, mais c'est carrément galère. Aïe aïe aïe. Tous plus chiants à choper les uns que les autres, ces machins. Hop là. Mais on va essayer de s'appliquer, parce que bon, si j'arrive pas à passer ça, franchement, les niveaux temples, c'est même pas la peine. Mais pour autant, je vous le dis, j'aimerais bien finir le jeu aujourd'hui. Enfin, bien entendu, j'ai pas fait les modes chrono, mais je les ferai sans doute en bonus, histoire de vous démontrer rapidement, mais bon, je considérerais le let's play comme réellement fini à partir du moment où j'aurais fait choper toutes les lettres gong et tous ces machins-là, vous voyez. Ouais, non, mais là, pour se laisser redescendre, je vais essayer de raser en rase-mode. De toute façon, il suffit de le prendre une fois pour que ce soit pris. Contrairement aux lettres con qu'il faut reprendre à chaque fois, donc... Allez, on s'applique et on retente. Je préfère quand même vous faire ça en épisode plutôt qu'en live, parce qu'à l'arrivée, en live, c'est quand même vachement redondant. Et puis, de toute façon, c'est des jeux où je peux pas trop lire le chat. Donc, c'est pas super intéressant, je me dis... Au final, je préfère largement faire des lives de jeux de gestion hein, pour avoir expérimenté les deux dans la même période. Je m'amusais beaucoup plus. Hop là. Ah non, mais voilà, c'est trop chiant ici. Faut anticiper le passage des boules de feu, se laisser tomber à point. Enfin, c'est la moitié galère. Hein. Bon, je pense qu'il va y avoir de l'ellipse à partir d'ici. Allez. Bam, 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 bam. Ah bah ouais, on voit mieux. Allez, allez. Hey, ça c'est fait. Allez. Jusqu'au haut. Et checkpoint. Wouh. Run parfait, ça c'était cool. Allez, on s'accroche. Ah oui, c'est là qu'il commence à y avoir les machins comme ça. Oh là 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 là. Bon, on a eu le N. Et puis ce pattern là, je m'en souviens plus trop bien, mais il est pas trop compliqué de mémoire. Pa-pa-la-pa-la-pa-pa. Oh, c'est chaud! Vite, un deuxième checkpoint s'il vous plaît, parce que j'ai tout eu, maintenant il n'y a plus qu'à finir. Allez, s'il vous plaît, soyez un peu dans mansuétude et ah, on est arrivé! Wow, bah super. Il suffisait d'une prise en vérité. Bon, j'ai pas eu le conque, dommage. Oh, le diquet. C'est pas grave. Je l'avais peut-être déjà eu. Wouh. Et au niveau pièce de puzzle, c'était la dernière. Oh bah ouais, bah écoutez, c'est pas mal tout ça.
On a eu un peu chaud aux plumes, mais ça s'est plutôt bien passé. Ouais, bah ouais, il me manque le diquet, quoi, c'est vachement dommage. Allez, basalte bouillant, c'est tipor. Même rengaine, on chope la lettre Kong, éventuellement les dernières pièces de puzzle. Et ainsi de suite. On verra bien combien de temps dure l'épisode. J'ai vu un tonneau là-haut. J'ai vu un tonneau. Non ? Ah non, c'était peut-être l'alvéole. Ouais, ça devait être ça. Teke ! Hop là. Tranquille. Hop là. Bom bom bom. Bom 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 bom. Hop là, hop là. Alors lui il va dans le bousin infusion. Il recevra que bon timing, Dieu merci. Waouh. Ah, je déteste ça. Vous écrasez, donc je passe ici. Vous écrasez pas, donc je fais ça. Ensuite je vais là. Ensuite je vais là, et là on fait gaffe au petit supermatozoïde. J'avais une technique pour les passer, je crois. Ah non, c'était pas sur ce niveau là, c'était sur un niveau temple. Hop là. Bang. Tout cassé comme d'habitude. Oh, y a pas d'embrouille par là. Et rappelez-vous de cette séquence où on rallume le volcan dans Tropical Freeze, qui est assez marrante du coup. J'y pense comme ça, mais c'était assez sympa. Hop là. Pas facile, hein. Vous les petits, vous allez rester tranquilles. Je veux pas être désobligeant, mais j'ai pas... Hop là. J'ai pas particulièrement sollicité votre présence dans ce niveau. Petite bébête, elles sont mignonnes comme tout, mais bon, elles sont un peu gentilles, mais non. Hop là, toi tu te dégrappes, no way. Télé, tu viens avec moi, de toute façon on a pas le choix. Pas comme si j'avais l'embarras du choix, présentement. Hop là, bonus. Bon, celui-là j'avais dû le valider, à moins que je sois tombé comme une buse. On va descendre en bas comme ça, voilà. Et je tombe comme une merde. Par contre, je vous le répète, hein, vraiment, ce sera mon constat pour avoir fait Returns et Tropical Freeze à la suite. C'est vraiment, vraiment inconfortable de jouer sur ce petit écran. Par rapport à la grande télé, la grande résolution, ça permet quand même beaucoup plus de finesse de jeu, vous voyez. Aïe aïe aïe, non mais sérieusement quoi. Ça va, on repart pas de très loin. On reprend ça. Le pire c'est qu'on l'a sans doute déjà validé, vous voyez, mais bon. Dans le doute. Là. Hop là. On se détend, ça va le faire. Hop là. Et on l'avait déjà eu, vous voyez. Je suis pas surpris, je m'y attendais un peu. Ce tonneau était visible comme le nez au milieu de la figure. Un petit peu. Allez, y'a là. Ah oui, c'était un peu forcé. Ah oui, alors attendez. J'ai raté une lettre ou un truc ici, c'est ça. Je repasse dans l'autre sens, ça va pas être facile. Hop là. Ah mais là on roule pas assez vite, c'est trop bidon.
Hop là. C'est un bonus là-dedans, un truc, mais j'ose pas trop y aller. Fatalement. Hop là. Hop là. Hop là. Oup, oup, oup. Bien sûr. C'était scripté pour me foutre dedans, j'ai bien vu. Pourquoi il y a du vent là? Quoi? Je faisais comment là? Attendez, je pige pas trop le délire en fait là pour choper le jet. Sans mourir écrasé dans d'atroces souffrances. Bon, les supermatozoïdes là, barrez-vous. Je vous aime pas, voilà. Si tu meurs. Putain. Bon. Il ressort. Ah. C'est un peu chaud. Voilà. Y a-t-il un intérêt à se poser ici? Non. À moins d'arriver jusqu'ici avec un tonneau éventuellement. Fallait peut-être que je garde le tonneau Didi jusqu'ici, vous savez. C'est pas impossible. Ça semble difficile, mais ce n'est point impossible. Voilà, pas de question de timing, faites pas chier. Voilà, ça c'est rigolo. Choulibidou! Je comprends pas comment la prendre. Ok. Allez, on se concentre un peu, on se reprend, on arrête de faire n'importe quoi, sinon les niveaux temples, c'est même pas la peine. On n'en verra pas un seul de l'épisode, ce qui serait un peu dommage, quand on sait que c'est un peu le but. Mais bon, d'abord faut les regagner, hein. Les niveaux temples, faut y avoir accès. N'entre pas au temple qui veut. Pas de place pour les païens. Oh bordel, je suis remonté. Arrête ça. Et voilà, 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 voilà. Bon, l'ellipse sera ce qu'il faudra, comme d'habitude. Hein. Je sais faire, vous le savez. Mais alors, j'ai jamais vu des lettres congues aussi chiantes à choper, quoi. Franchement, le coup du jet, j'essaye toujours de comprendre, quoi. J'essaie de comprendre et j'y arrive pas. Mais putain, monte pas là-haut, j'ai à peine touché le bouton, là. Putain, mais tout à l'heure, j'y arrivais bien. Vous et toute votre famille. Hop là. Allez, c'est bon fou. Hop là. Et là, on va arriver au truc à la con. Je sais pas comment prendre. Comme ça, ok. Bon, j'ai pas eu le diquet encore une fois, c'est dommage, mais. C'était tout simple. Et il me manquait une pièce de puzzle, ok. Bon, désolé, j'ai spamé A, j'ai tout passé. Mais je le répète, on n'a pas que ça à faire aujourd'hui. D'ailleurs, il y aura un petit peu d'ellipse parce que je me suis bien lamentablement foiré sur certains passages de ce niveau. C'était un peu. Ridicule là. Ok. Non bah c'est parti, éruption imminente. C'est pas le niveau où on monte verticalement? Enfin, je m'en souviens plus mais... Je pense qu'on va en baver.
coup, c'est le dernier niveau avant le boss. Ce n'est sans doute pas innocent. Déjà, j'aime pas trop ce système de pierres et puis leur pattern. Hop là! Vous avez vu un peu déjà des directs comment qu'ils sont quoi? Allez! Revenez! Ok, toi tu restes stable. Ouais, non, c'est pour la pièce, je vais pas commencer à me faire toucher par des conneries. Tu tombes, tu tombes. Ok, ça c'est déjà fait. Premier checkpoint. Il en faut. Ah ah ah! Trop tard. J'ai été bête. En fait, j'ai cru qu'il y avait une pièce de puzzle cachée derrière un de ces pylônes là. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ok, ça je crois que je m'en souviens par contre. Ah ah ah! Oui, je m'en souviens. Y'a pas de problème. J'aurais bien aimé avoir Didi et ses multiples points de vie, pour le coup j'aurais dû acheter des tonneaux pour ce niveau. Je m'en souviens, c'est pas évident d'arriver entre le pattern à la con, vous voyez, qui va être au poil le plus près. Je m'en souviens bien de ça. Y'a des moments où on y arrivait, puis y'a des moments où on y arrivait un peu moins. Encore un O, un N. Putain, leur pattern, je m'en souviens. Enfin, je le connaissais, mais je le connais plus. Please, another checkpoint would be very good for me. Barre-toi, Tiki, tu fais chier. Aussi. Putain! Ah, il est chaud du bidou ce niveau. On a pas assez de points de vie pour le faire, j'aurais dû prendre plein de tonneaux. Ça aurait été pour cheater, mais on aurait été tranquille. Je peux encore le quitter, mais bon, rien que le début étant un peu chiant, j'ai pas trop... pas trop envie non plus. Là. J'essaie de... Là, vas-y, c'est chiant ici. Il paraît que je connaissais un pattern à une époque. En étant reculé. Parce que là j'ai un peu aucune idée de ce que je fais. Hop là. Pas d'intérêt particulier. Non plus. Ah putain, c'est plus une saleté là! Hop là! Non! Ah, comme c'est abusé cet endroit-là, je m'en souviens. J'y arrivais pas, bah, notamment à cause de ces fameux rebonds qui posent tant problème dans ce jeu. J'ai un peu du mal à placer. De manière systématique et efficace et bordel. Alors ça m'est arrivé je sais pas combien de fois dans la première fois qu'on a fait ce niveau. Combien de fois je me suis fait écraser par cette merde, je me rappelle pas, mais... Bon, on va peut-être pas finir le jeu aujourd'hui finalement. Si on fait déjà le temple du niveau enflammé, ce sera pas mal. Peut-être
peut-être qu'on se gardera le temple du niveau or, enfin le temple d'or de la toute fin pour un ultime épisode. Ou alors on se fait les niveaux là-dedans, dans cet épisode-là. Et puis les deux temples dans un épisode dédié au temple, justement. On verra bien combien de temps je mets à tout réunir, parce qu'on en est déjà à une demi-heure. À une demi-heure, ça me laisse qu'un quart d'heure pour par temple, ça me semble un peu présomptueux quand on connaît la difficulté avec laquelle je... Putain, vous m'énervez les gars, mais un truc de ouf quoi. Allez! J'arrivais à les esquiver à cette époque. Ça leur viendrait pas l'idée de me mettre des cœurs. Ça les amuse de me voir jouer en mort subite là. Oh, des sadiques, c'est des bloqueurs. Allez. Voilà. Hop là. Voilà. Barre-toi, s'il te plaît. Merde. Non ! Non ! Non ! Oh bordel, mes pauvres amis. Bah, on savait bien qu'on allait repasser par ici un jour, mais je vous avoue que le déni, le processus de déni hein, m'a fait oublier l'existence de ce niveau. Je ne m'en souvenais plus. Je ne m'y attendais pas, c'était vraiment la surprise. Je ne me rappelais même plus qu'il existait. Je pense que mon esprit l'a censuré en fait pour pas me décourager de refaire cette petite quête complémentaire du jeu. Je vous déteste, vous et toute votre famille, bordel de merde! N'empêche que j'ai un cœur de plus que d'habitude, c'est pas moi. Allez, allez! Il n'y a toujours pas le moindre petit cœur à signaler, hein. ils sont vraiment rades, hein. Là. Là, il y a la petite saloperie, voilà. Allez, barre-toi. Boum, vas-y. Rentre. Rentre chez toi, gros. Tant pis pour la pièce. Quoique. Ah, écoutez, on l'a prise, on l'a validée. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est validée, il n'y aura plus à la prendre. C'est con parce que j'y arrivais bien pour une fois, mais bon, on va continuer à bien y arriver, on va dire. Considérons que tout n'est pas perdu et que cette prise était indispensable puisqu'on a chopé une pièce. Puzzle que j'avais pas encore réussi à prendre. Jamais pris le temps parce que je devais être trop content d'être arrivé jusque là. Alors que maintenant, vous voyez, hop, le rebond sur les tiki me fait moins peur, hein. J'y arrive beaucoup mieux. C'est vrai que ça c'est quand même c'était pour moi l'un des plus gros défauts du jeu. C'est vraiment ce qui a gâché mon expérience de jeu. Et force est de constater que bah, j'étais peut-être un peu mauvais, un peu trop approximatif dans ma manière de jouer. Parce que vous avez vu, maintenant j'y arrive super bien. Hop là, wow, wow, wow. Bon là je sais pas trop, oh je suis arrivé en haut. Attention, attention, attention. Attention, trop de tension. Yalla. Hop là Blairo. Jazzy Norfer. Hop, oh, j'ai failli me faire toucher là, c'était bizarre. Un peu cuqui d'air. Oui, ma petite dame. Et je suis trop con, mais c'est pas grave, c'est pas de la mort subite.
rien à foutre du diquet. On a validé le niveau, c'est bien ce que je voulais. On a eu Kong. Ah, il nous manque encore une pièce de puzzle, je sais pas où elle est. Tapos, tu te la mets où je pense. Et Tapos, tu te la mets où je pose. Allez hop, on va racheter des vies, on va racheter des petits tonneaux. Et c'est parti pour le niveau de grand malade, de grand psychopathe. Le temple du volcan. Bon, c'est pas un 100%, mais on a quand même bien progressé dans le jeu. Tiens-moi au courant si tu trouves la banane d'or. Paraît qu'elle est magnifique. À la bonne heure. Allez, on va en acheter... On va s'en mettre 12. Je suis à fond en vie. Attendez, je vois plus mes vies. 93, non. Je prends ça. Voilà. Il y a les potions aussi, anti-choc, rend invulnérable votre chariot ou tonneau fusée temporaire. Ah ouais! C'est fun ça! Reviens avec des poignées de pièces bananes! Ou ne reviens pas! Ta sollicitude me touche, papy. Alors, direction le fucking temple. On va y aller avec nos tonneaux, avec nos potes, avec tout ce qu'il faut. Inventaire. On va s'équiper d'un ballon vert juste pour voir ce que ça fait un peu. Il nous remonte quand il y a une chute, je crois. Ça peut être intéressant de l'essayer. Voir un peu comment ça fonctionne. Parce qu'on l'a pas vu du jeu, écoutez, donc... Bon, c'est quand même un petit peu dommage, quelque part. De ne point tout ouvert. Alors, nous revoici dans un fucking niveau temple. Yalla. Ha. Quel est le principe ici? Ok, donc le ballon vert est quand même vachement sympa. Ah! Ou pas? Je comprends pas tout. Putain, mais c'est infernal! Attendez, vous appelez ça un niveau temple? Mais c'est juste de... Il est tout naze quoi, enfin... Choper des pièces là, c'est... Allez, on repasse full life. Ok. Et c'est une série de petites épreuves comme ça. C'était quoi encore que cette folie là, faut m'expliquer. Enchaînement de tiki qui tombe. Putain, il doit bien y avoir un pattern. Waouh. Il est grave chaud ce pattern en plus. C'est que du par cœur quoi, c'est un truc de dingue. Aïe. Bon bah je peux vous le dire déjà, on n'ira pas beaucoup plus loin que ce temple aujourd'hui et je pense qu'on est bien parti pour un épisode d'une heure et demie genre parce que là... Je veux dire c'est même pas la peine. Putain non mais... C'est pas vrai ça, quand je gère je me foire, non mais sérieusement... Et on se retrouve avec un point de vie, ouais d'accord. Thank you.
Permettez-moi de vous dire que j'étais pas du tout en confiance à cet endroit-là, avec ces connards de poulpes. Hop là, mes trois cœurs, ça c'est cool. Faut pas mourir bêtement, hein. Attention. Non mais ils auraient voulu... Ils auraient voulu faire un truc chiant. Il n'y serait pas mieux arrivé. Voilà. C'est pas grave. C'était ça ou tomber dans le vide. En l'occurrence, il me reste deux cœurs, donc... on peut encore espérer. Putain. Ah d'accord, le tonneau il vient pas tant qu'on n'a pas pris la pièce. Oh, mais fallait le dire. Putain, non! Les tiki, je les gérais sans faute avant, maintenant j'y arrive plus. Enfin... Je désespère un peu, je vous avoue, la test en série. Ah, je vous dis, les développeurs ils se sont fait plaisir, c'est super design, c'est super concept comme niveau temps, mais... Un peu chaud quoi. Ouais, là j'ai bien géré. Mais ça veut pas dire que je vais bien gérer la suite. Ouh là là, non, surtout pas. Ça veut surtout pas dire ça. Hop. Putain. Saloperie. Ok, il faut prendre les pièces pour débloquer le machin. Bon écoute, et si je me sers pas de mon ballon vert, ce sera la classe. Première fois que je passe les poulpes. Bon, s'il suffit d'attendre et de survivre, on peut s'envisager. Non! Oh là là, fait chier, j'y étais presque. Et le ballon m'a pas sauvé du tout, puisque, ouais. Voilà, il aurait mieux valu que je vienne avec un tonneau Didi. Bah écoutez, c'est ce que je vais faire, hein. Je vais plutôt acheter des... Hop là. Des tonneaux Didi. Si vous me dites que c'est plus adapté à ce que je passe dedans mon jeu, là. Dans mon gameplay, hop là, me faites chier, putain. J'ai plus qu'un point de vie, je vais jamais y finir ça. Ces trous du cul de Tiki là, qui se casse la gueule, il m'énerve, il m'agace. Y'a rien à faire. J'ai essayé de tricher, mais c'était pas l'idée du siècle. Bon, c'est pas grave. On quitte. Right.
On va être mieux avec les... avec les tonneaux d'Idi, puisque du coup, là, sur le passage de la roue, on pourra peut-être récupérer des amis. Ouais, mais par contre, on va pas les gâcher, on attend d'être arrivé là-bas pour balancer le tonneau. Ça le fait pas avec cette méthode-là, je sais plus quoi faire. Moi. Bon, déjà, je suis déçu parce que je pensais que le ballon vert me permettrait de remonter plus haut et de feinter des poulpes, mais forcé de constater que le timing était pas super adapté. Ce qui n'était sans doute pas innocent. Alors, on n'a pas la peine d'attendre le déluge. On va balancer Didi maintenant. Voilà. On prend ça. Et avec tous les points de vie qu'on a, ça va bien se passer. Pas un peu chiant vous des fois hein? Non c'est bon, voilà. Ok. Ouais ça c'est optimisé 3D. Non. Voilà. J'ai raté quand même la première, ce qui est un peu dommage. Non ! Ça c'est dégueulasse. Ah, moi j'avais l'impression de commencer à m'améliorer. Putain, puis leur pattern à eux, je le déteste, mais je le déteste. Allez hop. On peut encore y arriver. Non, pas ici. Cette fois. Donc je confirme, on fera le temple d'or la prochaine fois. Parce que là c'est juste trop chaud du bilou. Je connaissais le pattern mais je m'en souviens plus. Putain, il me fait chier quand il fait ça. Oh non, did you? Que c'est chaud. Oui, vous, j'ai bien compris le principe. Je vous attends ici, faut pas être trop gourmand. Allez, barrez-vous les gars, je vous ai assez vu là. Voilà. On passe à la suite s'il vous plaît. Et si on pouvait terminer, ce serait aussi bien, soit dit en passant. Voilà.
putain, j'ai encore raté ce... Voilà. Parce que si on prend pas la pièce et qu'il y a plus de charge après derrière, hop là. Ça peut être un peu casse-couille aussi. Donc là on reste bien comme ça. Badabadabadabam. Bam bam. Allez. Il en faut encore beaucoup. Allez, encore combien? Ah. Bon, c'était la fin, il n'y en avait pas non plus 36. Dieu merci, parce que vous avez vu, hein, sans les tonneaux, j'y serais certainement pas arrivé. Vraiment difficile, quoi. Vraiment difficile, mais très ingénieux pour autant, hein, je vous le répète. Je trouve ça pas mal. Bon bah là, on a eu les 5, forcément. C'est cool, là. Bon, on pourrait presque, on en est qu'à une heure, on pourrait presque enchaîner avec le temple suivant. Maintenant que le pire est passé. Même si je l'ai pas fait très légalement, pour ainsi dire. J'ai utilisé les tonneaux, les machins et tout, ok, j'en conviens, c'est pas très sport, mais... Dis à cet équipe de baisser d'un ton, je suis vieux et j'ai besoin de repos. T'inquiète, papy. Ouais, écoutez, on va s'en faire un petit niveau, parce que de toute façon, il y aura des élites, il y aura des machins, donc voilà. On fait un peu le plein de tout ce qu'on peut avoir besoin. On va se mettre à 9, tiens, c'est pas mal. Pareil qu'il y a dans le coin une banane non seulement délicieuse, mais qui en plus se téléporte dans une autre dimension. Moi, je suis preneur. Comment ça, une autre dimension? Attendez, je suis désolé, par contre, je vais prendre le temps de me rouler une petite cigarette. Parce que j'en ai besoin, c'est quand même... assez hardcore tout ça. Donc le fameux temple d'or qui va être un petit peu la dernière pierre de cette épopée. Je sais pas trop à quoi on doit s'attendre, mais on m'a dit qu'il était quand même vachement difficile. Donc à mon avis, ouais, ce sera peut-être un épisode d'une heure et demie, deux heures, faut voir. En tous les cas, moi après je tourne Baldur's Gate. Et quelque part, j'ai envie de dire vivement, parce que c'est quand même vachement plus posé comme tournage. Non, c'est vrai, hein, si. C'est pas que j'aime pas jouer à Donkey Kong, vous voyez, mais... Bah là, par exemple, je fais comme... C'est ce qu'on en parlait dans les commentaires la dernière fois avec Steak Animal, je crois. Et effectivement, moi, je suis meilleur quand je joue en off. C'est pour ça qu'en général, les passages où je réussis dans le let's play, quand je bloque, c'est les passages où je me tais. Et en général, entre les niveaux, je prends le temps de fumer une petite clope et tout pour pas être à bout et pour... Parce que parfois je m'énerve et je fais n'importe quoi, je veux aller trop vite, j'en oublie des patterns, je vais exprès de me faire toucher. Or, le point de vie que je perds, j'en ai besoin un petit peu plus loin, et à chaque fois, c'est comme ça, donc... What? Pourquoi y a un panneau sorti? Ah yes! C'est parce qu'on peut venir les placer au fur et à mesure avant d'avoir tout récupéré, je suppose. Ah ouais, on a même une cinématique. Nuages, ok. Nous voilà dans les nuages. Il y avait du concentré de LSD dans cette banane. What? Ok, c'est carrément un nouveau monde. Colonne en rogne, bah oh là là, écoutez, c'est parti. On va faire le premier. Enfin, ouais, on va peut-être même essayer de finir. Pourquoi qu'on essaierait pas de finir? Ouais, on aura peut-être pas le temps de finir.
Ah, je pensais que c'était un seul temple, je pensais pas que c'était un environnement. Bah, c'est pas grave, écoutez, on va commencer et puis on verra bien. Pour l'instant, commençons. Nos amis les paraquets. Ouais, on va retrouver un petit peu toutes les différentes... Ah bah on retrouve des mécaniques déjà plus ou moins... Enfin, qu'on a déjà croisé dans Returns pour le coup. Dans Tropical Freeze, pardon. C'est assez amusant. Ouais, c'est marrant. Alors... Ouais, on dirait un medley des niveaux qu'on a déjà fait en fait un peu. Il est intéressant. Pour l'instant, c'est... On voit un petit peu tout ce qu'on a pu croiser in-game, voyez. Hop. D'accord, c'est pas méchant ça, je croyais. Ça, c'est méchant, ça, je le sais. Il n'y a pas une question de timing avec le machin qui recule. Oh là là, j'ai failli tomber. Ah, il y a des fois où il est... Hop là. C'est bien traître tout ça. Hein. Hop là, pièce de puzzle, ça c'est fait. Hop là. Voilà, tout est une question de timing, j'ai l'impression, pour la plupart du temps. Hop là, ça c'était juste histoire de dire que je peux tout avoir. On dit coucou les grenouilles chelou. Ouais, je voulais pas sauter je crois. Je voulais pas aller où je veux. Voilà. Là on souffle. Du coup ouais, comme je vais ellipser on va et tout, on va se faire un épisode d'une heure, on va se faire que... Ah ah. Le flair du Shiva, le flair du Shiva. Vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais vu ça. Yalla yalla yalla, c'est le flair du Shiva. C'est le flair du Shiva, vous n'avez jamais vu ça. Hop là. Non. L'abruti. Bravo Chichi, bien joué, non, bien joué. C'est absolument fantastique. Vas-y, non mais voilà, ça y est, j'arrive plus à jouer. Bon. On va peut-être arrêter de se préoccuper de ce qui est facultatif. Ok. 2. 3. C'est pas grave, j'ai pas eu mon truc. Vous avez vu ce big tiki? Big tiki. À faire là-haut. Oh putain! Le rebond qui foire sur la plante alors que je fais le passage de PGM. Non mais ça c'est frustrant aussi un peu. Bien, pour la peine. Hop! Mais ouais, c'est amusant parce que ces mécaniques de jeu là, on les trouve beaucoup dans... Enfin, on les avait peut-être dans ce jeu là aussi, je sais plus. Mais une chose est claire, c'est qu'on les retrouve dans Tropical Freeze. Et du coup, c'est assez marrant de voir qu'ils ont exploité ça. Désolé les gars. Too fast for you. Faut souffler ici. Wow.
Ok, jusqu'ici ça va à peu près. Ah bon, je me disais, j'ai l'impression d'être déjà passé par là, mais on a eu exactement le même truc tout à l'heure. C'est pour ça. Non! Wow! Ok. Eh, faut pas me prendre pour un âne non plus, hein. Même si je m'appelle Donkey Kong. Pas complètement Donkey le garçon non plus, faut pas abuser. Hop, bam. Bon, ici y'a pas de soucis, on va pouvoir aller voir Didi avec la plante. Bon, ils sont pas très difficiles, hein. Ah si, bon, y'a des moments où je meurs, y'a du petit fail, mais rien de méchant non plus, quoi, c'est... Plutôt des niveaux agréables pour l'instant, j'ai envie de dire. Il y a des checkpoints, enfin, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Ça valait peut-être pas le coup, je sais pas. Pas convaincu. Voilà. Je pense que ça valait pas le coup avec le recul. C'est pas grave. Alors vous, ça devrait passer. Hop là, comme une lettre à la poste. Pas le tringue ! Fallait avancer ! Ah, excellent ! Non, j'aime bien. C'est... Je suis mort bêtement, mais j'aime bien. Je cautionne, on va dire. Toi, t'as de l'espoir. Vas-y. Allez. Juste parce que vous êtes des tiki, je vous pète la tronche. Voilà. Ah bah écoutez, c'est plutôt une bonne surprise, même si ça veut dire que le jeu ne sera pas terminé au moment où je l'avais espéré. Enfin, espéré, c'est un bien grand mot, ça. Je suis pas spécialement pressé d'en découdre non plus. Mais bon, sachant qu'on a encore Tropical Freeze derrière, je m'attendais pas à avoir un environnement bonus, quoi. Pour le coup, je trouve ça vraiment sympa. C'est une constante chez Nintendo, hein, on y a souvent droit dans Mario, donc après tout, pourquoi pas ici, dans un Donkey Kong. D'ailleurs, vous aviez un niveau bonus dans Donkey Kong Country 2, hein, vous aviez cette carte du monde un peu chelou, là, avec tous les niveaux bonus, qui étaient déjà plus ou moins les équivalents des niveaux temples, en fait. Hein. Non, fallait tirer avant, oh là là, c'est rapide ici, c'est chaud. Bon, c'est du die and retry, hein, on va pas se surprendre de crever à cet endroit-là, c'est très naturel. Y'a pas 36 autres façons de comprendre comment fonctionne le Schmilblick. Faire du bêta-test, accepter de mourir un petit peu, pour la bonne cause. Allez, descends toi, voilà. Boring, boring. Partir par là peut-être? Non, je peux pas. Je peux vraiment pas. Ouais. Ah, j'ai encore raté le diquet, mais c'est pas vrai. Déjà qu'il n'y a plus de lettre Kong dans ces niveaux et que ça me perturbe un petit peu, mais mais oui, on va la faire, ta fucking pause. Laisse-moi quand même retourner sur la carte, s'il te plaît. Bon, on a manqué les pièces de puzzle, on a manqué plein de choses, hein, dans cet environnement de nuages. Cabane de Cranky Kong. Pourquoi est-elle dorée? Porte des nuages, ok. Cranky. Ah, quel bonheur! Une légère brise, aucun voisin pour me casser les pieds! Bon, où ai-je mis ces bananes?
Ouais. Ok. C'est tout ce que tu dis, enfin c'est... Bon, ok. Pour finir cette quête, t'auras besoin de tous les ballons possibles. Bonne chance, gamin. De toute évidence, tu vas en avoir besoin. Eh bah... très certainement, papy, très certainement. Pour l'heure, mes amis, moi je vous laisse ici. Et puis bah je vous donne rendez-vous, je sais pas quand, peut-être vendredi, mais peut-être pas, on verra. Pour pour la suite de ce jeu, puisqu'apparemment on est loin d'avoir terminé, hein, on a encore de quoi faire un bon épisode bien rempli. Donc bah voilà Balou. Merci d'avoir suivi, j'espère que cette surprise vous aura surpris, peut-être que vous le saviez. Auquel cas ça doit bien vous faire marrer, parce que bah moi je le savais pas et voilà, c'est cool. Et bon bah voilà quoi. Tout est dit, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao.